Salomon était le fils de David. David a fait 40 ans de règne, mais 40 ans de combat. 40 ans de règne, mais chaque année, il avait des ennemis qui s'élevaient contre lui. Chaque année, il avait des ennemis qui venaient le combattre. Mais quand Salomon prit le pouvoir, Salomon, lui, il a fait 40 années de règne sans guerre. Shalom, 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 peuple de Dieu, de l'église Yahweh Shama qui dirige l'homme de Dieu, ce grand pasteur, le pasteur Élisée Payan. Je suis dans la joie de vous annoncer que le Seigneur Dieu a prévu un grand programme avec vous dans l'église Yahweh Shama qui dirige l'homme de Dieu, le pasteur Élisée Payan, du 27 au 31 décembre. Du 27 au 31 décembre, je vous invite de venir nombreux à l'église, terminer l'année en beauté et recevoir de grandes bénédictions pour l'année qui commence 2020. Je veux développer un thème très important. Il couronne l'année de ses richesses et ses pas vers l'abondance. Dieu couronne l'année de ses richesses et les pas de Dieu vers l'abondance. Je vais montrer pendant ces trois jours, pendant ces quatre, trois jours de séminaire, comment est-ce que tu peux couronner toute l'année 2020 de la bénédiction de Dieu? Comment tu peux la couronner de la victoire de Dieu? Comment tu peux la couronner de la richesse de Dieu et de l'abondance de Dieu? Tu n'es pas obligé de continuer à vivre les choses que tes parents ont vécues. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre les choses que ta famille a vécues. Tu n'es pas obligé de continuer à vivre les choses que tu as vécues en 2019. Peut-être ton cœur était blessé, était troublé, était abattu. Mais je t'annonce que 2020 vient avec une puissance surnaturelle extraordinaire. Dieu va couronner tout 2020 dans ta vie de la gloire, de la bénédiction, de la victoire, des richesses et de l'abondance. Salomon était le fils de David. David a fait 40 ans de règne, mais 40 ans de combat. 40 ans de règne, mais chaque année, il avait des ennemis qui s'élevaient contre lui. Chaque année, il avait des ennemis qui venaient le combattre. Mais quand Salomon prit le pouvoir, Salomon, lui, il a fait 40 années de règne sans guerre, sans combat, sans ennemis qui s'élevaient contre Salomon. Nous allons voir quels sont les secrets de Salomon. Pourquoi est-ce que Salomon a fait un règne de 40 ans sans guerre, sans combat et sans ennemis? C'est possible, Dieu veut vous donner 2020 où tu vas vivre dans la joie, dans la paix, dans la victoire, dans les progrès avec la puissance du Saint-Esprit. 2020, le Seigneur Dieu va se manifester d'une façon extraordinaire dans votre vie. Je vous invite tous, venez en famille, appelez vos amis, ses connaissances, venez avec eux à l'église Yahweh Shama que dirige l'homme de Dieu, le pasteur Élisée Payan. Que Dieu vous bénisse. Du 27 au 31 décembre 2019. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen.